concert spirituel aujourd'hui au profit des sinistrés de Madagascar. Je fais ces salutations au nom du FFKM France. Moi, je suis le révérend Nicolas Razafratsim de l'Église anglicane. Et autour de moi, j'ai les vice-présidents. Il y a le père Juvence Ramanabite, qui est l'aumônier national des catholiques malgaches en France. Et puis, nous avons aussi le pasteur Falman Narandant et pasteur Deya Ratsuarsson de Mavelasu, qui représente le pasteur Seth Rasudrebe, le président du FPMA et également vice-président du FFKM France. Ce concert, comme je le disais, nous l'organisons pour soutenir les sinistrés de Madagascar. Madagascar a été touché par au moins 3 puissants cyclones successifs entre janvier et début mars. Plusieurs localités ont été inondées, des maisons ont été détruites, des cultures ont été inondées, des infrastructures comme les routes ou les ponts ont été détruites. La population qui a été déjà durement éprouvée par le Covid a dû faire encore une fois faire face aux conséquences de ces cyclones. Alors, face à ces intempéries, le FFKM à Madagascar a diffusé à ses églises membres une circulaire les invitant à organiser des quêtes pour venir en aide aux sinistrés. Et c'est en réponse à cet appel que le FFKM France a cherché aussi à se mobiliser. Permettez-moi de dire quelques mots du FFKM France. Nous sommes une association qui a été fondée il y a 30 ans de cela et qui regroupe les anglicans malgaches, les catholiques et les chrétiens de l'église FPMA. Bien que indépendants du FFKM de Madagascar, nous sommes moralement liés à eux et nous avons reçu leur bénédiction lors de notre fondation. Et depuis ces 30 ans, nous organisons régulièrement deux moments de prière œcuménique en janvier lors de la prière pour l'unité des chrétiens et en juin à l'occasion de la fête nationale de Madagascar. Et nous sommes très heureux de vous accueillir avec nous aujourd'hui. Enfin, pour terminer, quelques mots à propos de notre concert aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un concert, mais aussi un moment de prière. C'est pour ça qu'on l'appelons concert spirituel. Nous aurons la participation de 4 chorales, la chorale Féomansmar catholique, la chorale de la FPMA, la chorale anglicane, et nous sommes aussi très heureux aujourd'hui d'accueillir la chorale Mwintimulam du FLM de l'église luthérienne de Paris qui ont accepté notre invitation. Et nous leur souhaitons vraiment la bienvenue parmi nous et les remercions beaucoup de leur participation. Pendant les différents chants, donc il y aura aussi des prières, mais entre les différents chants, nous allons écouter aussi des prières ou des poèmes. Et au milieu de notre célébration, nous allons avoir une quête. Tous les fonds récoltés aujourd'hui seront envoyés au FFKM à Madagascar qui les utiliseront pour soutenir en particulier les habitants des régions Vatva, Fitvnag. D'après les informations qu'ils nous ont données, c'est dans cette région qu'iront prioritairement le soutien parce que c'est cette région-là qui a été la plus durement touchée. Mais ils vont se réunir la semaine prochaine pour décider en détail des aides qu'ils allons effectuer. Le mot de la Bible que nous avons choisi pour faire ce concert, en vue de ce concert, c'est « Tout ce que ta main se trouve capable de faire, fais-le par tes propres forces », qui vient du livre de l'Ecclésiaste. « Zéa juntaranoato, bientôt, en bien non. » Et je vous souhaite à tous un bon concert.